Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour un nouveau message intemporel de ce jeudi 1er août 2024. Alors pour celles et ceux qui vont prendre leurs vacances au mois d'août, je vous souhaite déjà de bonnes vacances à toutes et tous. Avant de commencer, petite philosophie du matin, aujourd'hui, rire, mais que c'est bon pour le moral, n'est-ce pas? Rire, c'est bon pour les zygomatiques, c'est bon pour la santé, rire. Le rire franc et spontané est un signe de relâchement de l'esprit. Eh bien, belle philosophie. Aujourd'hui, j'ai pigé « aimer sans condition ». C'est important d'aimer sans condition. Et ici, cette carte, elle vous dit, il est grand temps de commencer à vous aimer. Peut-être que vous vous aimez, mais vous vous aimez avec des conditions. Le manque d'amour envers soi est un handicap majeur. Cette carte, elle vous implore d'apprendre à vous aimer vous-même en premier lieu et vous révèle que c'est un art à développer au quotidien. Il est évident que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres et les autres ne peuvent pas vous aimer. Développer au quotidien cet art, par exemple, tous les jours au matin, quand vous êtes face à votre miroir, dites-vous, dites-le, prononcez, je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Je m'aime tel que je suis. Dites ça tous les matins. Vous devez dès maintenant nourrir l'amour en vous-même et l'amour inconditionnellement. Je m'aime tel que je suis. Ainsi, eh bien, vous faites un acte d'amour qui est celui de vous choisir. Vous décidez de vous connaître. Vous décidez de vous comprendre. Vous décidez de vous accepter. Et vous décidez de vous aimer. De vous aimer pour vous reconnecter à votre vraie nature. Pour vivre la vie qui vous ressemble, vous devez vivre ces étapes. S'aimer soi-même donne la force de rester à un niveau vibratoire élevé et permet de rester dans un calme et une paix intérieure qui traverse tous les enjeux possibles de la vie. Vivre votre vie en vous aimant davantage vous enveloppera dans des douceurs et dans une compassion envers vous et envers les autres. Apprenez à vous aimer sans condition. Le rituel de l'amour, eh bien, la première étape est de reconnaître le manque d'amour en vous. Observez-le à travers tous les jugements négatifs, eh bien, que vous portez sur vous-même et sur les autres. Notez ces jugements et questionnez-vous sur leurs messages positifs. Posez-vous la question suivante. Que ferait l'amour dans ce cas-ci? Ensuite, faites le choix conscient d'éliminer ces jugements négatifs, n'est-ce pas? Et commencez à honorer qui vous êtes dans votre entièreté. C'est ainsi que vous découvrirez de beaux messages d'espoir qui vous aideront à mieux vous aimer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, deuxième étape,
tous les matins. Regardez-vous dans le miroir et prenez le temps de vous connecter à votre âme à travers vos yeux. Puis lorsque vous vous sentirez prête, dites-vous « Je t'aime ». Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Troisième étape, appréciez chaque facette de votre beauté intérieure et extérieure. Redécouvrez votre visage, vos expressions et toutes les parties de votre corps. Dernière étape, cessez de vous comparer aux autres. N'oubliez pas que vous êtes unique. Portez votre regard sur votre splendeur ainsi que sur votre propre progression et mettez de la valeur sur ce que vous voyez en vous. Laissez entrer l'amour dans votre vie. Aimez-vous en premier. Vous aimerez les autres et les autres vous aimeront. Quel beau message, n'est-ce pas? Allez, je termine avec la pensée positive et aujourd'hui, je suis libre. La clé ultime de la liberté est de reconnaître que tout est un choix. Vous êtes libre de vous aimer sans condition. C'est un choix que vous êtes libre à faire. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain pour le dernier message de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse. À demain.